mom. Bonjour! On se réveille avec Jeannette qui m'a rejoint hier soir. On est, je ne sais même pas où on est, hein. Franchement, mais il y a de la montagne. J'aurais vraiment fait tous les paysages. Et on est super contente parce qu'il fait beau. Ah, c'est joli. Et il disait qu'il allait pleuvoir à mort. Donc on se dit, tu connais, là il fait beau et tout. Mais en vrai, d'ici une heure, à mon avis, il va pleuvoir. Donc j'en profite tant que je peux. Chez G aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous raconter de beau ? Cette nuit, on est arrivé vers minuit. On a eu du mal à trouver un emplacement. Et il a fait super froid. Heureusement, j'ai découvert qu'on avait le chauffage. Donc on a pu se chauffer, c'était bon. Mais du coup, le tout début de nuit, on va dire de minuit à 2h du mat, était un peu douloureux. Enfin bon, voilà. Donc on se dit, s'il fait beau comme ça, on va se régaler, on va se faire une bête de rando. Mais à tout moment, il commence à pleuvoir et je sais pas si tu vois le ciel. Et en effet, je pense qu'il va commencer à pleuvoir. Cette nuit, c'était hyper drôle, il faut que je vous montre. On est arrivé là et je dis à Jeanne, mais Jeanne, je peux pas aller tout droit, j'ai l'impression qu'il y a l'eau. Elle me dit, mais non, c'est pas possible. En fait, si, je pense que c'est là où rentrent les bateaux. Ça aurait été tellement drôle si on était tombé dans l'eau. Enfin bon, ça aurait pas. Je pense qu'on va être sur un vlog très calme. D'abord parce que c'est pas de notre faute, il pleut. Donc par défaut, on peut pas faire grand chose. Enfin, il pleut pas vraiment, vraiment là. Il pleuviote ? Ouais, il pleuviote. Hein. Il commence à. C'est bien gris quoi. Ouais, ça commence à craindre quoi. Ouais. Et parce qu'on est un peu plage plouche. Et du coup, moi j'ai du montage. On a toutes les conneries que vous nous avez achetées. Enfin, que vous m'avez achetées, mais que du coup Jeanne bénéficie aussi. Et j'en suis ravie. Ça là, je vais te dire. Je sais pas qui m'avait offert les petits cakes nature. Bonne cam. GG. Je sais pas si elle vient pas d'ici du coup. Briennon, dans le 42. C'est où le 42? C'est à toi, faut poser la question, toi tu fais le Tour de France. Moi je sais pas, je sais que le 44 c'est. Est-ce que ça suit ou pas? Est-ce que le 44 c'est Loire-Atlantique? C'est une belle journée, une belle journée. Ah oui, il y a quand même une personne qui m'a offert du reblochon. Bon là vous voyez tout le bazar parce que on est en stand-by. L'idée est parfaite. Sur le papier, dans un van, c'est pas. Du coup, on s'est dit avec Jeannette que ce midi, on allait se faire nous-mêmes. Enfin, non, on allait d'abord aller au resto et qu'on allait bouffer une bonne tartiflette ou ce que tu veux de comme ça. Mmh. C'est quoi cette tartiflette ou c'est quoi l'autre? Croisette. Raclette. Oh, ah non, raclette, c'est chiant. Ou raclette. Non, tartiflette. Enfin, un truc avec du fromage, quoi. Donc lui, on va faire ça. On va se faire plaisir. Noli, avec tes stories à la con, ma mère vient de m'écrire, mais Jeanne, t'as pété les toilettes. Elle dit, papa, elle dit d'acheter de la colforte, ça va aller. If you ain't got the sauce, just sit down. We got it from here, yo. Jamba, they not ready. Kush gang, Kush gang. Look. I'ma rap till the old man. Me and hoes don't hold hands. Hand in my pants in the mouth for my dick when I slow dance and I blow big. L'autre part aux chiottes, j'espère qu'elle a pas tout niqué. Tu fais attention, hein. On est reparti, nous on va aller enfin manger notre tartiflette là. Le souci c'est que quand t'es avec tes potes, c'est sûr ça vous le fait aussi. Mais on parle tellement, en vrai depuis 11h30, on a dit on y va. Il est quand même 13h20. Ouais. Bah ouais, on n'a pas fini. Hein. C'est fou, hein. C'est fou quand avec tes potes tu peux parler pendant des heures. C'est un truc de ouf. Bon allez, bref, on va aller se manger un truc bien chaud. Je sais pas si vous voyez le temps, mais il pleut de ouf. Donc je pense qu'on va vraiment faire toute une journée de Chine. Je pense qu'après on va aller se caler dans un camping. Et on va se reposer. De toute façon, on est claqués tous les deux. Donc comme ça, toutes les deux, vu qu'on est des femmes. Alors. Ah. Qu'on comprenne comment ça fonctionne. Bah, ferme le clapet. Et tu claques. Bah maman, tu claques avec ce qui reste, quoi, vu que t'as pété la palette. Me dis pas qu'il faut que je vienne. Bah attends, je l'ai pas fait hier, hein. Je sais même pas quand c'est bon, je touche pas. Bon, ferme le clapet, voilà, je le ferai. Allez, on y va, on va manger.
regardez, on vient d'arriver à notre petit camping. Regarde cette jolie vue qu'on a. Il y a même des renards. Par contre, c'était quand même très drôle parce qu'en gros, on est très loin des spots d'électricité, mais on voulait être absolument en face du Rhône. C'est le Rhône, Jeanne? Oui, c'est le Rhône. C'est le Rhône. Et tu vois, ils ont mis un petit truc bleu comme ça, là, juste ici. Et en fait, c'est les gens qui sont ici. Et ils ont mis une rallonge, moi je savais pas que c'était eux. Ils me disent, c'est ma rallonge, hein. Tu sais, c'était des vieux qui avaient la télé dans la caravane. Moi, ça me... Ça te dépasse. Bah, je sais pas, c'est pas comme ça que j'ai le truc, mais... Bon, cela dit, ils ont été sympas. Ils nous ont laissé l'électricité, ce qui fait qu'on peut rester en face de notre petit truc. Petit spot. C'est beau comme tout. On va faire un petit peu de montage vidéo. Là, il pleut plus trop. Je pense que ça va se calmer un peu. Je sais pas, j'en sais rien. Franchement, c'est une demi-heure de flotte, une demi-heure de calme. Ouais. Météorologue. Ouais. Elle connaît. On va finir le montage et puis après, on va aller se promener un peu. Ouais, on va aller boire des verres. On fait que ça. On boit des verres, on se pose dans le lit, on boit des verres, on se pose dans le lit, on mange, on boit des verres. Oui, j'étais en train de dire à Jeanne, putain, j'ai rien filmé aujourd'hui, mais en vrai... On a rien fait. Bon. On a rien fait. Et il pleut, quoi. On va aller les promener, là. On va les promener Gégé. Tu vois, je me suis un peu foutu de la gueule dessus, mais en vrai, ça fait stylé, là. Ah, j'aime pas jusque là. Ah si, j'aime bien, moi. Bon, Jeanne, je vais pisser. Ouais. Et... Je t'attends. Ça va, il pleut, mais je crois que c'est pas non plus... J'en ai pas en sucre, ça va aller. Non, mais ça fait chier, quoi. Dis-toi que quand il pleut, c'est moins froid. Oui. Ouais. Ok, bon, bah, je viens de chercher. Allez, go, go, putain. Oh là là, il y a des gens qui sont arrivés en tente, les pauvres. Oh, non, mais ça fait chier. Je te jure, le temps, il fait vraiment chier de ouf, quoi. Non, mais Jeanne, elle veut absolument... Elle voulait qu'on aille boire un verre, à la base. Je suis désolée, je suis floue, mais je pense qu'on aura pas mieux. Je suis là en mode, mais what, moi j'ai pas du tout envie d'aller boire un verre, je suis claquée, il fait froid, j'ai mon montage à faire et tout, bref. Moi j'étais partie pour se faire un petit reblochon à la maison vu qu'on n'a pas pu ce midi du coup. Ah, c'est bon, j'ai dealé pour qu'on aille juste promener le chien. Mais attends, il pleut et tout, moi je suis pas du tout en mode samedi soir à fever. Hein. Vous voyez rien du tout, mais on a décidé de partir dans la forêt marcher. Oh, oh. Putain, tu vois comme c'est bien, hein. Faut toujours avoir sa meilleure pote avec ça. Bah cela dit, sur l'écran on voit pas mieux. Peut-être qu'on nous voit nous. Ah oui, nous, on... Oh putain, ça c'est fait flipper. Attends, il y a le chien devant, putain. Je sais pas ce qui s'est passé, on s'est dit on va aller marcher parce que Jeannette, elle voulait pas rester dans le caravane. Et en vrai, je dis ouais, j'avoue, ça craint qu'on reste toute la soirée. Sauf qu'il pleut. En vrai, j'avais envie d'aller boire un verre. Oui, je leur ai dit que t'avais envie d'aller boire un verre avec moi pas. Mais ça, t'es habitué. On se retrouve dans la forêt. Moi, je veux jamais sans lumière. Oui, c'est plutôt agréable, en vrai, ah, c'est ouais, ça j'adore. Le pire. On dit, tu sais, ça fait une petite ambiance. Bah ouais, film Harry Potter, film... Mmh. Harry Potter qui est en train de bientôt crever, quoi. Oui. Harry Potter a deux doigts de rencontrer Voldemort. Oui, de rencontrer Aragorn, tu vois. Ouais. Dans cette scène. Ouais. Ouais. Pareil. Mais c'est sympa. Ça a l'air sympa, on arrive. Je sais pas, je vois rien du tout. Oh putain. Il est où le chien? Il est derrière. Allez, c'est bon. T'as l'air, on va se faire. Oh. On dirait que je suis en pyjama, moi. Ouais. Moi je suis absolument pas. Oh putain, mais où on va là? Oh, c'est joli. Ah oui, c'est bien. Attends, je retire la lumière. C'est oh ça. C'est trop beau. On se laisse pas abattre, ça part. Hein? En reblochon. Je parle à la commu. Ah. Allez. Regardez la beauté de ce que j'ai fait. Eh, les petites patates. Voilà. Bon bah écoutez, nous on va aller manger. J'ai trop faim. Ça sent trop. Bah moi j'ai pas faim, mais j'ai juste envie de bouffer là, tu sais, le grain là. Mais là, regardez ça. Regardez, juste j'arrive à leur montrer comme ça. C'est le fond du col. Je sais pas si ça donne très envie comme ça. Si, si, ça donne. Je crois que ça nous donne envie à nous, mais moi je pense que ça fait un peu à la caméra. Je suis pas sûre que ça rentre très bien. Tu vas sentir le vin blanc que t'as dans le truc et puis on va tremper le pain. Alors si on touche le fondu avec. J'avoue. Bon, on vous laisse ce soir, tu vois. Trentenaire dans un van entre copines avec un chien borgne, on y est, on est bon. On va faire un petit film et puis
On a donc un gant. On a donc un gant commandé. Allez, ciao. Ciao les gueuses. Bonne nuit. Au revoir. Attends, je peux pas dire au revoir. Attends, faut que je raccroche. Je raccroche.